C'est maintenant le temps de te préparer comme animateur. Ça va te prendre une petite préparation, 10 minutes tout au plus. C'est important de regarder le livre que tu vas avoir choisi de présenter à ton groupe. Donc, si tu décides d'animer la lecture ou encore, bien, je te présente deux albums. Ici, ça semble assez intéressant, il y a beaucoup de personnages, il y a des mots faciles à lire. Par contre, quand on ouvre ce petit livre, à notre grande surprise, il y a énormément de textes. Alors, ça pourrait être plus difficile pour des enfants en bas âge de rester aussi concentrés dans la lecture d'un livre quand même un peu plus long. Par contre, dans celui-ci, c'est une histoire courte avec des mots clés, vraiment des mots, disons, féroces. Est-ce que je vais tomber sur un mot féroce? Je ne sais pas. Alors oui, alors il y a des sons, il y a des mots qui sont marqués de façon plus grosse là, dans l'album et plus facile à lire pour peut-être faire participer tes jeunes. Donc, ça va te prendre environ 5 minutes. Tu lis le livre ou du moins, tu le parcours. Alors, si tu choisis cet album pour ton groupe, par exemple, faire de la lecture en duo, un grand et un petit, pendant toute la semaine, ils pourraient lire cette histoire qui contient plus de mots. Mais avant de les envoyer avec le livre, tu peux leur présenter la page couverture. Donc, on regarde ensemble et on questionne les jeunes sur ce qu'ils voient sur la page couverture. On regarde, par exemple, on leur fait nommer qu'il y a des oiseaux ou quelle est la saison de cette page couverture. Alors, on voit qu'en bas, c'est du blanc, c'est peut-être de la neige. Alors, on vient vraiment leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils remarquent. Et la couverture, ce n'est pas juste devant, c'est aussi un peu derrière. Et celle-là nous réserve toute qu'une surprise. Il y a un autre personnage en arrière. Il y a encore plus d'oiseaux. Il y a même aussi le nom de l'illustrateur, la personne qui a dessiné le livre. Donc, ça peut être intéressant ensuite, pour ton activité ludique, d'amener les enfants à dessiner, par exemple, des bernaches ou encore à dessiner un chapeau pour aller chasser dans la forêt. Il y a vraiment plein d'idées qui peuvent survenir juste en regardant la page couverture avec ton groupe. Pour vraiment avoir des idées de questions à poser à tes jeunes, consulte l'annexe du guide de la trousse. Tu vas avoir plus de 30 questions disponibles à poser à tes jeunes pour vraiment parcourir et animer la période de lecture. Pour les petits curieux dans tes groupes, regarde, parfois à la fin d'un livre, il y a un index. Ça nous donne des informations complémentaires, parfois un peu plus scientifiques ou appuyées. Alors, par exemple, ici, c'est le nom exact des canards. Pour les curieux, ça peut répondre à bien des questions. Quand on planifie une activité, on veut au moins que ça dure une heure. Pour être sûr que ça dure vraiment une heure, essaye-le avec tes parents, tes frères, tes sœurs ou tes amis. Mets-les à rude épreuve, essaye de leur animer le jeu et de voir comment ça se passe, combien de temps ça dure. Si tu as trop de choses, ben, tu vas t'en rendre compte assez vite. Et si ça se termine en moins de 5 minutes, c'est que tu dois planifier plus de mots, plus de jeux, plus d'actions. Prochaine section, on fait 3 propositions pour l'animation de la période de lecture. La première, c'est vraiment de faire la lecture à ton groupe. Tu prends le livre que tu as préalablement lu et tu fais la lecture à ton groupe. Une deuxième proposition, c'est de faire la lecture, mais parfois, c'est de s'arrêter et poser des questions à ton groupe. Qu'est-ce que vous pensez que ce personnage-là, il vit comme émotion? Pensez-vous qu'il est d'accord? Est-ce qu'ils vont être encore amis à la fin du livre? Est-ce que vous avez remarqué qu'il a changé de chapeau? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Savez-vous ce qui va se passer après? Les questions sont multiples. Tu peux les retrouver dans l'annexe de la trousse de préparation. L'autre proposition, c'est de laisser le livre à un duo d'enfants. Donc, ça peut être un petit et un grand, deux enfants du même âge. Et puis là, ils font la lecture ensemble. On est par exemple avec un petit et un grand, ça peut être même le petit qui invente l'histoire au plus grand qui, lui, sait comment lire. Mais il se laisse porter par l'histoire et l'imagination du tout petit qui se réfère aux images dans le livre.
croire que nos deux mammouths, ils aiment grignoter des feuilles et des baies. Allez, on court au fond du terrain chercher des feuilles et des baies. Mangez tout. Revenez, mais il faut pas trop en manger. Revenez avec une grosse bédaine comme ça. Ouais, c'est ça. Venez-vous-en rapidement. Parce que là, maintenant, nous devons créer des œuvres d'art. Faites semblant de peinturer par terre, allez-y partout. Et semez la pagaille comme nos deux amis, regardez, oh là là! Dans l'exemple que je viens de vous faire, j'ai lu à peu près les mots de l'histoire en ajoutant des consignes aux enfants. On s'est promené dans le terrain, on a mimé qu'on était les amis mammouths qu'on a découverts, puis on a vraiment vécu une activité tout à fait ludique. Ils savent que l'histoire qu'ils ont vécue est écrite dans un livre. Si un jeune, pendant la semaine, qui s'intéresse à l'histoire, vous pouvez lui relaisser l'album pour qu'il regarde puis il découvre encore l'activité super le fun que vous avez fait dans le terrain de soccer, par exemple. Pendant la lecture d'une histoire, vous pouvez trouver un mot qui revient souvent. De cette façon, vous créez une entente avec votre groupe. Chaque fois, par exemple, que vous allez dire le mot « chat », le groupe doit dire « et arrêtez après, et vous continuez de lire l'histoire comme si de rien n'était. De faire cette relation avec votre groupe va aussi vous aider lors d'un moment où est-ce que vous avez besoin d'avoir leur attention ou de les faire patienter, vous pourriez refaire des bouts du livre ou compter une autre histoire avec le mot « chat » et ils vous répondront par « miaou ». Tu peux aussi faire une voix différente quand tu prends la voix d'un des personnages. Par exemple, ici dans le livre, c'est un chasseur. Tout le monde va imaginer la voix du chasseur comme étant bien grave avec une grosse barbe. Mais toi, tu pourrais mettre de l'originalité et parler comme ça, en disant « Prends ta hache et casse la glace de l'autre côté! » Là, vos jeunes vont être comme surpris et là, tu leur dis « Oui, c'est la vraie voix du chasseur! » Tu viens d'ouvrir une porte d'imagination dans leur esprit. Et là, quand ils vont refaire la lecture avec des amis, je te garantis que tu vas entendre des drôles de petites voix sortir de tous tes duos de lecture. C'est super important, à la fin de la période de lecture, peu importe le procédé que tu vas avoir choisi, de faire un retour. Questionne les jeunes. Avec quel personnage ils seraient amis dans le livre? Est-ce qu'il y aurait le goût d'avoir la suite de l'histoire? Pourquoi l'auteur a choisi ce titre-là de son livre? Est-ce que les jeunes auraient une autre suggestion de titre? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Alors, tu as dans l'annexe une série de questions à poser à ton groupe pour après la lecture. Parce que ça, c'est ça qui va créer les souvenirs dans leur esprit. Tu pensais que la lecture, c'était plate, hein? Mais je pense qu'on va avoir bien du fun. Fais-toi confiance!